Eh bien salut tout le monde, ce sera Quentin et vous, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Palladium. Et aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale car tout simplement ma copine va tout simplement venir dans cette vidéo. Bon, c'est une vidéo assez exceptionnelle parce qu'en fait je n'ai pas envie que ça devienne assez fréquent sur ma chaîne. Il y aura quoi, allez, peut-être cette vidéo là et peut-être encore une autre parce que j'aimerais bien tester quelque chose avec. Mais t'es pas net non? Mais voilà, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel hein. Dans cette vidéo on va tout simplement lui faire tester quelque chose que je fais d'habitude sur Palladium. Donc c'est elle qui va jouer, sachez qu'elle n'a jamais joué à Minecraft de sa vie. Et elle n'a jamais joué à aucun jeu sur PC à part Fortnite, quelques parties, et c'était pas vraiment concluant. Donc je vous promets que ça risque d'être assez marrant. Et après aussi j'ai posé une question dans mon espace communauté de ma chaîne YouTube. Donc voilà, en fait je vous ai demandé de poser des questions en dessous de ce message pour tout simplement pour ma copine. Et tout simplement ma copine y répondra en fin de vidéo. Bien sûr il y a eu plus de 70 participants. Donc merci à tous ceux qui ont participé à ce petit event on va dire. Mais bon, avant vous avez l'habitude, on va tout simplement passer à la question du jour. Donc la question du jour c'est hyper simple. Je prends une question qui a été posée dans les commentaires de ma dernière vidéo et j'y réponds en début de cette vidéo. Voilà, si vous avez une question à me poser en rapport avec Palladium ou avec ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Et si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à aller en commentaire pour liker tout simplement les questions que vous trouvez les plus pertinentes. Et normalement, je réponds à la question qui a eu le plus de likes dans ma dernière vidéo. Donc, la question qui a eu le plus de likes dans ma dernière vidéo, c'est tout simplement The Sonest qui m'a dit: comptes-tu créer un serveur? Likez pour qu'ils le voient. Bon, je pense que les gens ont été très intéressés par ton commentaire parce qu'il y a tout simplement eu 41 likes sur ton commentaire. Mais voilà, en fait, désolé, je vais devoir répondre négativement à ta question. Voilà, en fait, créer un serveur, vous vous rendez pas compte, mais en fait, ça demande vraiment beaucoup de choses. Déjà, du temps. Parce que, voilà, ça se fait pas en un seul jour, la plupart du temps. Les serveurs qui sont à peu près bien codés et tout ça, ça prend à peu près 6 mois, on va dire. Mais il y a vraiment les gros serveurs qui prennent vraiment leur temps pour coder tout simplement leur prochaine version. Ou tout simplement coder un serveur, ça prend environ plus d'un an. Voilà, moi j'ai pas trop ce temps là en fait, voilà, à consacrer pour un serveur. Ensuite ça demande vraiment de l'argent parce qu'en fait tout simplement déjà il faut payer les développeurs, enfin les codeurs, enfin je sais pas du tout comment ça se passe, voilà, les builders et tout ça, vraiment payer beaucoup de choses, les machines pour le serveur, pour faire tourner tout simplement le serveur. Et ensuite voilà, ça demande de la motivation, ça demande aussi de l'envie. Moi j'ai pas spécialement envie de créer un serveur tout de suite et je ne sais pas si j'aurai l'envie un jour. Voilà, j'ai pas envie tout simplement, voilà, j'ai pas trop d'inspiration. Je n'ai pas de nouveaux blogs, de nouvelles économies à inventer sur un serveur. Voilà, il faut tout simplement toutes ces qualités pour faire tout simplement un serveur. Et moi, je ne les ai pas. Créer un serveur, ça m'intéresse vraiment pas. Voilà, juste avant de passer avec la partie de ma copine, on va tout simplement faire l'objectif de like. Bon, on va pas se le cacher. Dans ma dernière vidéo, elle a fait à peu près 4000 vues, mais il y a eu que 600 likes. Bon, d'habitude on arrive à atteindre à peu près 800 voire 1000 likes. Et là bon, vous avez fait un petit peu moins. Bon voilà, ça serait assez cool que dans cette vidéo on atteigne tout simplement 800 voire 1000 likes si vous êtes chaud. Donc voilà, en fait l'objectif de like c'est tout simplement tous les 200 likes je vais farmer pendant 15 minutes mon métier de hunter. Et dans la dernière vidéo comme je dis on atteint 600 likes. Du coup ça fait que 45 minutes de farm. Donc on a Gaëtan, voilà, le chef de ma faction, qui m'a tout simplement TP dans ce magnifique double spawner à zombies. Je suis tout simplement passé level 4 Hunter, donc à partir de level 4 on peut enfin farm les zombies. Du coup là il est 19h20, on se retrouve dans 45 minutes, donc à peu près à 20h, et on verra à combien d'XP je serai arrivé. Bon, en vrai j'espère passer level 5, ça serait assez cool. Du coup à tout de suite. Et bien tout le monde, voilà, j'ai terminé tout simplement de farm mon métier de hunter pendant 45 minutes, enfin j'ai farm un peu plus car en fait c'est passé quelques petites complications, car souvent en fait j'étais en train de farm et là d'un coup je vois de la glace juste ici, je me fais mais qu'est-ce qui se passe, je n'ai pas de bot Frostwalker mais il y a de la glace, donc je suppose que quelqu'un de la faction la Shadow Raven s'est TP ici et il y avait tout simplement des bots Frostwalker et du coup qui a mis de la glace ici. Bon ça encore ça va pas, ça va encore, mais le problème en mettant de la glace ici c'est qu'en fait il a coupé plein de sources d'eau et tout ça, il a coupé ces deux sources d'eau là qui sont juste ici. Donc en fait ça a créé un truc bizarre là. Là la source ici elle était un peu bizarre, du coup les zombies venaient plus par là. En fait j'étais obligé de tout reboucher l'eau ici et de la remettre et tout, du coup c'était une galère. Pendant un moment ici j'étais en train d'AFK ici, ouais, je vois les trucs qui tournent comme ça, donc je me dis ça va spawn, mais en fait ça spawn pas, du coup il faut se rapprocher ici. Donc j'ai dû perdre au moins 15 minutes de farm en étant ici.
Ça s'est un peu mal passé, c'est la première fois que je tourne dans ce spawner là, mais voilà, il y a toujours une première fois à tout. Du coup, je vais montrer vite fait, je suis passé quel level. Je suis passé tout simplement au level 5 avec 485 XP, et du coup, pour passer au level 6, il me faut 13 000 XP. Et du coup, j'ai débloqué un petit casque en palladium, c'est assez sympathique de leur part. Bon, c'est vrai, je vous ai un peu troll, on va pas passer directement à les séquences avec ma copine. On va tout simplement faire un petit don juste avant, voilà, il est pas très long, un petit don qui dure vraiment pas très longtemps, et ensuite on se retrouve avec ma copine. Et bien, gros tout le monde, du coup, là, on va se retrouver tout simplement pour un don de dragon rouge. Donc voilà, on est sur Volcania, il faut tout simplement se TP à lui. Ok, c'est bon, il m'a TP, d'accord, il y a une autre personne, il y a SK8L. Donc alors, bonjour Sunray, comme tu peux le voir, je te fais un don, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Sunray et à liker si vous voulez. Abonnez-vous aussi à SK8L Pierrefils Gaming. Donc waouh, si c'est le nom de ta chaîne, il est vraiment très très long, je pense que tu devrais le raccourcir. Donc bah merci à vous quand même. Donc désolé pour la déco, je suis pas très bon en build. Je te kiffe, continue comme ça Sunray. Dragon rouge, il y a pas beaucoup de stuff, mais c'est déjà ça. Mais t'inquiète pas, déjà c'est juste l'intention qui compte, déjà c'est vraiment assez cool. Donc du coup, c'est parti, on va tout simplement ouvrir le coffre. C'est parti si Padium veut bien avec les lags. OK, encore un cœur, mais arrêtez. Non, encore, bah, merci à vous de me faire des cœurs tout simplement dans mes dons. On me fait tout le temps des cœurs, donc merci à vous. Donc c'est parti, on va tout simplement tout récupérer. Donc 12 blocs de diamants, 12 blocs de fer, 16 blocs d'améthyste, 4 lingots de titane, 16 blocs de titane, 27 lingots de palladium, 6 lingots d'améthyste. En tout cas, blocs de palladium, il y en a 10 et il y a 3 findium. Après, il m'a dit que la déco est pour moi aussi, du coup, on va récupérer tout simplement la déco. Je lui ai demandé s'il était tout seul à avoir fait ce don. Et oui, il est tout seul, c'est juste que son pote l'a aidé vite fait à faire tout simplement la déco. Du coup, voici ce qu'on a récupéré. On est monté à 11 blocs, 24, 23 blocs, 24 blocs de diamants, 23 blocs de fer. Donc voilà, bah merci à lui, donc pas de problème, merci à toi d'être passé, et bonne continuation sur YouTube. Bah merci à toi, et toi bonne continuation sur Palladium. Je sais pas si t'arrêtes Palladium ou pas, parce que, ah d'accord, bon bah ok, mais passe encore des blocs, bah merci. Bon, et bien, re tout le monde, du coup, on se retrouve en compagnie de ma chère copine. Salut. Et du coup, bah, pour cette vidéo, je vais tout simplement lui faire tester Palladium. Donc, en fait, j'aurais bien essayé de trouver un pillage pour qu'elle le fasse. Mais le problème, c'est que, bah, vous savez très bien la chance que j'ai, je ne trouve pas de pillage. Donc, elle va tout simplement farmer des graines. Donc, bon, pas beaucoup, parce qu'en fait, elle sait pas jouer à Minecraft, elle sait vraiment pas du tout jouer. Et du coup, bah, en fait, je vais lui apprendre, bah, ZQSD et tout ça, se déplacer un peu. Bon, après, ça va. Le farm de graines, c'est des mouvements comme ça tout le temps, et appuyer sur le clic gauche, et puis voilà quoi. Bon, du coup, je vais te laisser ma place. Allez. Non, mais de toute façon, tu vas me dire au fur et à mesure, parce que moi, je... Enfin... Allez, assieds-toi. T'es prête? Ouais. Donc, maintenant, tu vas viser le dispenser. Attends, recule un peu. S. Ensuite, tu vas faire clic gauche. Hop, voilà, t'as été le distributeur. Mm-hmm. Maintenant, tu vas à cet endroit là-bas. Sans tomber dans le trou, tu vas à droite. Ah bon? J'ai dit de tomber, pas tomber dans le trou. Mais je sais. Oh là là. Attends, je vais t'en remonter parce que. Du coup, là, maintenant tu prends le dispenser. Bah, t'avances plus. Hein. Ok. Avec la molette, tu vas vers le haut. Ok. Maintenant tu fais clic droit. T'as posé le dispenser, c'est bien. Maintenant tu vas récupérer le bloc de terre là, qui est là. Clic droit. Et voilà. Ok. Maintenant tu vas prendre la fast form. Là. Attends, tu vas ça à gauche, là, et là tu fais clic droit sur le drawer qui est là. Clic gauche, je veux dire. Tu vas devant le truc. Défonce pas mon truc. Ok, maintenant, tu restes appuyé sur Shift, clic gauche. Voilà, ok, t'as posé le dispenser. Mm-hmm. Maintenant, tu vas aller par sur la gauche là-bas, tu vas aller là-bas. Ah non, faut juste viser. Voilà, okay. Et tu fais clic droit, voilà, et tu mets. Ouais, t'en mets juste une. Tu vas appuyer sur Z, et tu sur l'espace en même temps. Voilà. Et maintenant, tu vas te mettre juste devant. Tu appuies sur Z sans sauter. Hein. Du coup, après, maintenant, tu appuies sur. Maintenant, tu fais des petits coups comme ça en appuyant. Tu appuies sur le D. Ouais, appuie sur le D. Et tu fais des petits coups, voilà. Et tu fais Q, voilà, comme ça. Voilà, bon, au moins, déjà, tu sais le faire, au moins. C'est cool. Bon, bah voilà, du coup, bah, ma copine a testé Palladium. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de Palladium? Du coup, ce que j'en pense, bah, ça va en vrai, c'est pas. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Maintenant, je jouerai pas à ça. Enfin, honnêtement, c'est pas. Ouais. Non, c'est pas mon truc. Oui, bah oui. Ouais, qu'un jour on fasse un épisode sûrement où elle ira PVP, ça serait marrant. C'est marrant à voir. Ouais, du coup, maintenant on va tout simplement passer à la partie des questions. Donc, bah, à tout de suite. Allez, dis-leur un mot. Salut. Bon, allez. Donc,
On a la question de TFC Nijara. Alors, quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Pourquoi sonnerait ses qualités? Il est gentil, il est attirant, il est attentionné, il est intelligent. Bon, par contre, il est très chiant. On en parle de toi. Quels sont les principaux défauts de sonnerie? Bah, en vrai, t'es chiant aussi. Ah oui, c'est un gros gamin. Genre, fou. Désolé, mais... Non, mais ça... C'est vraiment un gamin, genre vraiment. En fait, il m'embête tout le temps. Qu'est-ce que je disais? Le principal défaut aussi de Eva, c'est tout simplement que quand elle va parler de quelque chose et qu'on va l'interrompre et qu'elle va rigoler en même temps pendant au moins 5 secondes, et après en fait, elle va plus se souvenir de ce qu'elle disait en fait. Ensuite, une question de Justin Vacher. Franchement, est-ce que sonnerait Pasco de temps devant son ordinateur? Alors, pour ses yeux, oui. Bah, je sais que c'est sa passion. C'est ce qu'il aime. Du coup, je dirais non. Comment est-ce que vous vous êtes rencontré? Une question de Eclisa. J'étais à un match de foot avec une ancienne amie et il m'a vu. Mais moi, je l'ai pas vu. Mais vas-y, hein. Vas-y. Pardon. Mais moi, je l'ai pas vu et le soir, bah, il m'a parlé sur, Messenger. Et puis bah, là, de fil en aiguille. Il y a que toi qui utilise encore cette expression-là. C'est toi quoi, expression. Oh, voilà. Une question de Thomas. Que pense-t-elle de ta notoriété sur Palladium et YouTube? Très fier de lui, du boulot qu'il fait. Parce que moi, je pourrais pas faire tout ça. Et bah du coup, je suis juste fière en fait de lui. Il a pété. T'es dégueulasse. T'es vraiment dégoûtant. Alors, une question de Raoult67. À quand une chaîne, à quand sa chaîne YouTube? Alors, déjà, ça c'est compliqué parce que avec mes cours, mes devoirs, mes révisions, sachant que je révise genre à fond, genre vraiment, je connais tous mes cours par cœur. Après, c'est quelque chose que j'aimerais, mais pour le coup, là, je sais pas. Mais ce serait plus sur le make-up. Le style, les vêtements, tout ça. Mais ça, pareil, on en voit beaucoup sur YouTube, alors... Tu fais combien en hauteur? 1m60. Entre parenthèses, moi je fais 1m80. Non, oui, bah oui. Alors, une dernière question, monsieur. Est-ce que vous avez des moments à vous, comme dans la semaine, le mercredi? Ouais, le mercredi. Le week-end. Le vendredi le soir un peu et le week-end. Ouais. Voilà. Du coup voilà, cette vidéo est vraiment assez spéciale, donc voilà, ça serait cool que vous lâchiez votre petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à poster un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé de la vidéo, voilà, ça ferait extrêmement plaisir, voilà, des avis sur ma copine ou ce que vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça ferait extrêmement plaisir, je vise les 20 000 abonnés pour avoir le grade youtubeur sur Palladium. Normalement, quand je sors cette vidéo, on devrait avoir les 20 000 abonnés, enfin je l'espère. Et voilà, n'hésitez pas à liker, voilà, pour le gâcher de likes, tous les 200 likes, je fais pendant 15 minutes mon métier de hunter. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ou pour participer à la question du jour. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec une autre personne pour me faire connaître sur YouTube. Rejoignez mon Discord commentaire qui est en description. Voilà, c'est vraiment assez cool de parler entre nous. Et suivez-moi sur Twitter. C'était tout pour moi. Allez, ciao bye les gens.